j'ai vécu des scènes personnellement. C'est un journaliste, hein? À la RTS. Ma grande sœur, mon bokal Ndaye ak Baye. Bu am kayit yeb. Yeb. Sama grande sœur, bu ma bokal Ndaye ak Baye, ñu doon wuyoo ci turu Ndaye Mariama Sow. Mo namp gal joxma. Digënté hôpital régional bu Ziguinchor ak hôpital Silence bu Ziguinchor, même pas 4 km. Mo accouché ñu ngi ci wéru koor ci wér bi sax la won. Bi mo accouché par CD, défaut de prise en charge médicale, oxygène, qui est le fato. Oh. Domam, mou nekon sa ma loho, magye sa ma loho, beni mou tolu ma maye kou mousseyi. Sa ma wajur boudigyen, fi ki sete wo, lene le wo, ki défaut de prise en charge correcte médicale. Ci yalla suma way jour bu gor condition la wacce ci tay ci hôpital régional bu Ziguinchor li may wax docteur Fatima mi ngi pari actuellement deug na xamna li may wax pour vous dire que les gens meurent en silence dans nos hôpitaux de manière injuste, illégale, anormale. Comment tu peux comprendre que permanence nuit, amour qui ben hôpital au Sénégal, vous ben professeur différent. Tous les médecins qui sont cliniques privées. Et ça, c'est le regret que j'ai pour le Sénégal que nous voulons rêver. Que le Sénégal que nous rêvons, quand le service public ne va plus assurer le minimum pour les concitoyens. On a énormément de concitoyens, j'en sais rien. Le service public, on a tout le monde dans le monde. De cette jungle. Massacre, massacre. De cette école. De l'alimentation Bouba. De ce service de santé Bouba. T'as dit, le plus beau que tu le bats, mais il y a un lien d'un petit privé. C'est pas normal. Et ce sont ces mêmes qui devaient servir le service public. Nous sommes dans le privé du karmat du matin, midi, soir, pour l'âme des gains de la vie. Des gains de la vie. Nous sommes ici dans les immeubles, du n'importe quoi. Deux médecins qui sortent même pas un an. Nous sommes dans un luxe insolent. Dans un luxe insolent. C'est ce que nous avons au Sénégal. Comment on peut être dans une société qui se nomme le Sénégal? Dans un pays qui se nomme le Sénégal, à l'état actuel. Pour nous faire un vaccin, pour nous avoir que c'est un problème, vaccin de prévention, pour que nous avoir une prise en charge médicale pour normal, c'est un problème. Et on se dit, de n'y n'est que sur la voie de l'émergence. Il est bon de créer des structures, il est bon de construire, il est bon de faire. Mais sans une conscience professionnelle, ce n'est que ruine de l'âme. Il ne faut pas que nous regardions. Il faut qu'on assure le strict minimum dans les bas-fonds du Sénégal. De mal à Sédou, de mal à Kolda, où il n'y a pas un gynécologue. Tant qu'on continue à penser que le luxe c'est Dakar, tant qu'on continue à faire croire que c'est Dakar la vie, tant qu'on continue à investir à Dakar au détriment des régions. Il faut qu'on repense notre système. Sur nos hôpitaux, ce qui est le plus élémentaire, c'est le service d'accueil. Il y a des gens qui ont été les hôpitaux, ma main sur le très Saint-Coran, tu verras au corps, tu n'as même pas un interlocuteur fiable. Il y a des gens qui même dans nos urgences, c'est des mouroirs qu'on est en train de créer en longueur de journée. Parce qu'il faut qu'on repense notre système. Il faut qu'on repense notre système de santé. Il faut qu'on repense. Et que l'homme, nous communiquons. Le Sénégal, ce n'est pas les quatre coins de la ville de Dakar. Fini, paye, c'est devenu infernal.
on apprend des leçons, mais on les récite mal. Notre système de démocratie, il faut avoir une démocratie territoriale et équitable. Amul. Pour que tu aies une bonne boule de métier, tu as une bonne boule de métier, tu as une bonne boule de métier. Pour que tu aies un problème, tu as besoin d'opérer. Nek urgence, j'ai un vieux bo xamni c'est limay wax suma collègue ni ngay dégg Oumou Baldé mom la muccu réentel pour diko ñaan ay service hôpital Fanti ci lan ko xamanteni dafa indi prise en charge am ñu ni ko IPRES la ñu ni ñom duñu sawaruñu ko programmer alors qu'il était dans un désarroi total mu indi prise en charge mais IPRES la parce que lan la il demandait de la liquidité ci temps tété. Liquidité, c'est ce que nous avons. Parce que qui a fait ses idées, il faut à temps réel. Qui a fait ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'on repense notre système de santé. Sinon, tous les jours, les 80% des idées sur l'hôpital, c'est par défaut de prise en charge médicale. Il y a une balle à l'âge. Grand Abbas, il y a une balle à l'âge. Parce que c'est difficile. Nous sommes en train de nous. On n'a pas tous les moyens d'embarquer à bord des hélicoptères ou des avions. Nous avons une fille. Sur le premier centre de solution, ça doit être le Sénégal. Sur le premier centre de solution alimentaire, ça doit être le Sénégal. Et puis, il faut qu'on mette tout le monde à contribution. Arrêtons de penser que le mal, c'est les autres. Taïkil. Nous sommes tous les gens. Mais dans deux jours, on va tourner et verrouiller le système. Nous sommes tous les gens. Nous avons des bombes à retardement sur des débats. C'est inutile. Le véritable débat aujourd'hui, c'est comment repenser notre système de santé, comment repenser notre système de l'éducation. Parce que c'est les deux piliers. Nous avons besoin d'avancer. Il y a un investissement. C'est inutile pour moi. Repensons notre système. Donnons, réécrivons les nouvelles feuilles de route pour le système public. Gen Balmar, je vous félicite encore une fois pour l'excellent travail. Merci. Avec un plateau qui nous a permis aujourd'hui de vider, parce que j'ai toujours voulu vider le mal que je vous m'ai traîné tout le temps, sans compter d'autres exemples. Le système de santé, ça doit être un système solidaire, efficace et rentable. Solidaire, pourquoi? Parce que les uns peuvent cotiser pour les autres, nous fassions. Nous pouvons nous donner. Ça doit être un système performant qui veille sur l'équité territoriale. Professeur Yinga Hamni, ils se sont tous serrés à Dakar. Nous allons dans les régions. Nous sommes en permanence, mais tu vas dans les régions. Moi, j'ai eu la chance de faire le tour du Sénégal. Mais pour me dire que quelqu'un qu'on habite, il est responsable médicalement, c'est un problème. Allah. Ce que je dis, c'est ce qu'on a inventé. Ce qui est là. Si le ministre Abdoulaye Diouf Sarr veut dire nous allons sur la table. Nous allons nous faire un système. Mais l'idée, c'est que les médecins, les professeurs soient accessibles. Nien Balma Akhem, je félicite ma sœur Bijou et je félicite ñepp ñu tok ci plateau bi di ñaan Yalla li na nek un débat pérenne. Fi ngeen ko tek ni fofu le, c'est ça la télévision. C'est de prendre en charge en temps réel les préoccupations des Sénégalais. Lolu kété moy def sen efficacité. Lolu mo leni may ndam ngeen bal ma ak ma ngi nuyu ñepp di balu ñepp ak suma xol fess na toy na mais je pensais que je vous il fallait que je vide parce que c'est l'opportunité que j'avais
Merci. Ce qui est plus intéressant, moi, qui donne voté, c'est un fonctionnaire de l'État, RTS les ligués, à Bassou. Imaginez le man qui a fait sa mère qui a fait un loup, ni un petit témer, ni un bon mot d'acquis, ni un témer bénéfice. Vous pouvez vous dire? En plus, il y a une liquidité. Il fait que nous avons une prise en charge médicale. Mais au Sénégal, il y a des travailleurs qui ont fait un mot. Les gens sont fatigués. Il n'y a que des mots dans ce pays. Et 89% des Sénégalais ne sont pas pris en charge par l'État. Juste très rapidement, juste interpeller aussi cette question où on parle des médecins qui se fédèrent et qui ne veulent pas se prononcer sur Dieye Amé. Je prends un exemple, Bifi Ben bébé décédé, je me rappelle, je me donne des reportages des personnes ressources, c'était tout un problème d'avoir un médecin qui peut t'expliquer c'est quoi fonctionnement néonatal et tout ça, parce que non, c'est parce que c'est un confrère, c'est